Alors bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais essayer de vous donner euh, quelques expressions qu'on utilise dans la correspondance conventionnelle. Alors euh, euh, d'accord, alors on a euh, les documents, les trois documents que vous avez dans la page 55. Alors il avez a une carte d'invitation, d'accord euh, Deuxième texte, vous avez une lettre, d'accord Et euh, troisième support que vous avez dans la page 56, c'est <messant> le signe, et comme ma réponse à une mail, voilà, vous avez le, le mail, d'accord Donc c'est trois documents différents. Alors nous allons voir la différence entre ces trois documents. Euh, D'accord. Alors à travers ce, ce tableau. Alors euh, pour le document numéro un, euh, doc, document numéro un, ça c'est le document numéro 1. Donc c'est le document numéro 1. Alors en commençant la nature du document, il s'agit d'une lettre d'invitation. Ça c'est une carte d'invita d'invitation. Une carte d'invita d'invitation. Le syndic de l'immeuble a le plaisir de vous convier à la fête des voisines qui sera organisée comme chaque chaque année. Le premier vendredi de juin, de 19h à 22h, euh, la terrasse de l'immeuble. Bien, alors, vous terminez la lecture de cette carte d'invitation. Alors, euh, ensuite, vous avez l'objet de document, c'est une invitation. La formule d'appel, donc l'absence de la euh, d'une formule d'appel. L'expression euh, de politesse utilisée, si vous remarquez, alors à la fin de cette carte, vous avez... Euh, votre présente compte énormément pour nous. C'est une expression de politesse. Euh, après, vous avez la signature. C'est le syndic de l'immeuble. C'est celui qui a envoyé cette lettre. Euh, cette carte, désolé, cette carte d'invitation. Tu Donc, d'abord, je la carte d'invitation. le document numéro 2, les voix. Euh, Ce le document, c'est la, la lettre. Alors, alors la lettre. لا la nature c'est une lettre formelle conventionnelle euh, ensuite comme l'objet c'est la candidature torchih donc d'accord euh, ensuite à la signature vous avez donc Adil Lefaqi d'accord alors là les informations عندكم a une lettre d'invitation euh, c'est pas une lettre d'invitation c'est une lettre de candidature d'accord candidat Candidature. Là, une demande d'emploi. De, D'accord C'est une demande d'emploi. Une demande d'emploi. Euh, ensuite, la candidature, c'est l'objet. Donc, la formelle d'appel, c'est monsieur. La formule d'appel. Da, la formule d'appel, vous avez monsieur. Euh, la formule de politesse, je veux prie d'agréer Monsieur l'expression de, de mes salutations distinguées. Alors, n'art euh, la lettre vous La formule de politesse avec je veux près d'agréer Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Mziane. Patna la signature. Donc c'est Adil Louifa Louifaq. D'accord. La signature c'est Adil Louifa Louifaq. Mais bien. Alors, on a le document numéro 3, c'est un mail, d'accord De envoyer à CC, euh, donc euh, c'est l'objet. Alors, ça, c'est le cours de, de l'email, et ça, c'est le coordonnée de l'XPD de l'expéditeur viennent euh, donc euh, je vous ai les éléments comme le mail formé c'est le genre euh, l'objet de document l'adresse l'image, l'objet l'objet quand on dit tout, euh, l l hana, fém, rendi, réunion après comme la la formule d'appel la, la formule d'appel donc comme bonjour monsieur, monsieur. l'expression de politesse vous avez cordialement et signé par le le alors Fatima le et ça c'est le voilà donc la formule de politesse. Euh, Femme, donc n'a pas les trois documents juste pour comparer euh, un pour les pour les, pour les formules d'appel ou les formules de politesse ou les formules début de début de du cours de, de chaque type de. عندكم لا و فوزافي لا لاتر و فوزافي لي لي دونك كل واحد وكيفاش كيتكتب و لي فورمول دو بوليتيس لي كنستعملو خاصين بكل تيب داكوغ الوغ الا خديت جو روتين غتلقاو بان لي فورمول دابيل لي كنستعملو في لو كوغيال ولا في لي ميل Ce ne les formules d'appel les sont utilisées dans la lettre formelle. Pour la lettre formelle, on utilise « Monsieur le directeur »,« Monsieur ». Pour le courriel, on Bonjour »,« Bonjour chers collègue, Bonjour monsieur le directeur »,« Bonjour madame la coordinatrice »,« Bonjour monsieur lmi, Bonjour madame ». D'accord Alors, on va prendre la lettre Bonjour monsieur », c'est la formule d'appel. Et on la lettre qui est Monsieur ». Donc, il n'y a d'accord mais hmm. bien alors n'attendons pas d'appeler formule de début du, du corps le corps de le corps la de la lettre alors comme je vous je vous écris pour je vous adresse en pièce jointe veuillez vous vous trouver en pièce jointe alors ça ce sont les les, les, les phrases les quinze le courriel les emails n'attendons n'ayez je vous chéris e maintenant e alors je vous adresse en pièce jointe le d'accord c'est l'expression qu'on doit bien là la les mails et si nous une dans la lettre conventionnelle ou la formelle, j'aurais le plaisir de vous écrire. Je me permets de vous écrire pour, j'ai le regret de vous annoncer que, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, de bien vouloir. Donc, les expressions-là, essayez les écrire une à la fois pour que vous puissiez les utiliser dans la lettre formelle ou la lettre conventionnelle. Donc d'abord, on mais je les formules d'appel, Ou les phrases qu'on utilise au début du euh, du corps de, de, de chaque type d'invitation. D'abord, on va je les formules de politesse. Donc, je ne pas les formules de politesse quest a qui bien sûr. ne pas les formules qu'on utilise qui aime l'ouvre la lettre, l'email, le courriel, l'email. Mais chez vous, mal les formules de politesse qui la lettre conventionnelle. Alors, je ne pas la lettre conventionnelle à tout, indiquement je vous prie.

Amitié, si vous avez une bonne réception, bonne lecture, sincère euh, salutation, sincère votre cordiale salutation. Tu Donc, ici, on a une famille courante formelle. Donc, on a une famille courante formelle. Ici, on a une relation qui est liée à la personne. اللي كان صاحبك كدير له ابلوس تشاو ان سي دو الا كان شي حاجه يعني عادي يعني غولاسيون نورمال دونك كتكون يعني ما بين واحد السيد اللي كتعرفو ما كتعرفوش مزيان دونك سي بيان افو كور شي واحد اللي كت كتحتارمو باغ اكزوم tu parles un شي واحد اللي ما كتعرفوش ولا سورتو في 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 في, 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 في المراسلات الاداريه دونك كتستعملو هاد فورميل او نيفو فورميل Alors, je va vous donner un Donc, ici, vous avez les phrases donc, Vous allez les la carte d'invitation, la dans le courriel, soit la lettre formelle. Alors, a vous dans la première phrase, « Monsieur et madame, nous avons le plaisir de vous convier au mariage de leur fils, Firita. Donc, ça, on l'utilise faire la carte d'invitation. Bien à vous, dans le courriel. Vous Je vous écris pour. »« Je vous écris pour. » Hna ya ila mshiina lehna chno ghadi nlaqaw ghadi nlaqaw je vous écris pour donc floco flocouriel mziyan nmchiwou hna matalan je vous prie d'agréer euh, madame l'expression de mes salutations distinguées hadi fi la lettre conventionnelle la lettre formelle. je vous prie de croire madame monsieur au mes respectue salutations dans la lettre formelle vous y agriez, monsieur, l'expression de mes cordiales salutations, c'est la lettre formelle. Euh, le mari a le plaisir de vous convier à l'immigration de grande c'est la lettre formelle. Euh, bien sincèrement, c'est le, le courriel. Je vous prie de croire, madame Hadikamla, qu'elle s'exprime ici. Cordialement, nous sommes ravis de vous convier la lettre conventionnelle. Bonjour, qu'elle le courriel. Euh, nous cordialement votre flou courriel. Euh, cela nous ferait plaisir de vous compter parmi nous. Euh, C'est la carte d'invitation. Je vous prie d'agréer, monsieur madame, l'expression de ma respectueuse et sincère considération sur la lettre formelle. Sincère salutation, flou courriel. Bien cordialement flo courriel. Bien à vous, flou courriel. bon réception, flou, flou courriel.

اونسويت ااااا... عندكم جو فوزونفوا تو لو دوكيمون و غديرو بيان كورديال كورديالمون دونك هنا غديرو غديرو بي و سي تفاهمنا بي و سي دونك هنا غدعمرو بي و هنا غديرو سي تفاهمنا سي سي ها بي و ها سي جوفو طروازيام دوكيمون Donc, je me permets de vous écrire pour exprimer mes manquants. Ça, c'est la lettre. On est dans l'attente d'un geste commun. Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. C'est une formelle de politesse qu'on utilise dans la lettre conventionnelle. Est la phrase qu'on utilise pour commencer une lettre conventionnelle. Donc, tente, je me permets de vous écrire. Ou dans l'attente, je vous prie de Déjà,